Hey, c'est tout le monde, c'est Kwame Auguste, bienvenue sur Pro Cycling Manager 2016 pour la carrière suivie Team Vodka Russia Team Arkham Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2007 et nous sommes sur la Vuelta à Andalusia, Ruta del Sol. Le programme du sprint, du chrono que vous ne verrez pas, du vallon, de la montagne, du vallon et enfin du sprint. Donc 5 étapes au programme de cette vidéo. Quels sont les anciens vainqueurs? Joaquim Rodriguez qui a gagné en 2016, et ben c'est parfait, c'est magnifique. L'équipe qui va s'y rendre, Latour, Elisson, De Fernandez, Sepulveda, Erklotz, Cocard et Van Kesbroek. Ensuite, donc, qui est-ce qui est présent? Quintana, Valverde, Moreno, Nordog, Pozzo Vivo, Nibali, chez BMC, tiens. Bacalant, Kittel, Van Garderen, Barguil, Racing, Arouejdal, Kengert, Yates, il y a du monde, hein. Chavez, Zakarin, ouais, il y a du monde, ça va être dur, mais bon, on compte sur Pierre Latour. Sur ce, écoutez, c'est parti donc pour la Vuelta en Andalucía, Ruta del Sol, la Rabiba. Ineos, c'est parti, let's go. On est 20 km de l'arrivée sur cette première étape de la Ruta del Sol. Sepúlveda a chuté. Et le problème là, c'est qu'on ne peut pas faire de train vu qu'il y a la montagne ici. C'est un petit peu gênant. Il ne restera plus que 10 km pour faire le train. On va faire un petit train tranquille. Hein. On va faire un petit train. Donc, ce sera la tour qui suivra Cocard, bien sûr. Quand on pourra, hein, bien sûr, pour l'instant on ne peut pas, je vous l'ai dit, vous le savez, hein. Il n'y a plus d'échappe en tout cas, et derrière ils ont chuté, c'est Pouveda chuté, donc il y a quand même du monde derrière qui a chuté, vous allez le voir, voilà, il y a Nordog, Lopez Garcia, il y a Vorobiev, il y a Kenog, Kadri, Marzinski, Cummings, et c'est Pouveda qui ont chuté. Il faut qu'on remonte un peu là quand même, là. On marquera pas de points, mais c'est pas grave ça. Van Kesbroek, ouais. Alors donc, la tour qui suit Cocard. Hop, Cocard qui suit Van Kesbroek, même s'il est loin, c'est pas grave. Bah ça va, il se rapproche. Et Van Kesbroek qui va suivre. Robin Fernandez, ça pourquoi pas. Le bien que suivent les sondes. Voilà. Et Erklos qui va se calmer. Direct. Elle est déjà plus que 5 km hein, déjà, et oui, ça avance vite là. Allez, Robin Fernandez qui va prendre le relais. Alors, on essaie de casser notre train. Van Kesbroek qui lance Cocard. Ouais, il essaie en tout cas. Allez Brian, ah non, dommage. Victoire de Marcel Kittel, le champion d'Allemagne, devant Prince Cocard, bien joué Brian. La tour est toujours dans le groupe, c'est bon. Encore une grosse chute derrière encore. Bien joué Brian Cocard. Deuxième derrière Kittel, Hunt, Tens, Baragli, Van der Sande, La Tour, Kouliev, Juregui, Quintana. Izaguirre, Swift, Van Kesbroek, Aruni Bali, Lutsenko, Barguil, Prades, Fernandez et Benati. Très beau sprint, hein, Marcel Kittel, bien sûr, le champion d'Allemagne. Bravo. On va voir un petit peu les maillots, j'aime bien découvrir les maillots, regarder les maillots des différentes courses. Kittel, donc, maillot rouge, comme la Volta, à peu près. Oula, maillot vert caca. Pour grimpeur et le king, maillot bleu pour Marcel Kittel pour le point, meilleur jeune maillot blanc pour Brian Cocard, bien joué, et quasiment par équipe, c'est la team Arkham Pro, parfait. Dommage, Brian Cocard, là j'ai pas pu l'emmener comme je voulais, mais c'est pas grave. Allez, deuxième étape, non, troisième étape, donc l'étape de vallon avec une troisième catégorie ici, ça finit en descente, enfin descente et après du plat.
On s'y retrouve tout de suite. 21 km de l'arrivée, cette troisième étape pardon, de la Ruta del Sol. La Tour, 50e après le chrono, 33 secondes de retard. Ça peut encore aller, après ça va dépendre des autres adversaires. Il n'y a plus échappé. Mon équipe roule tranquille, vous voyez, ils vont tous se reposer pépère maintenant. Hein. Ça sert à rien de... Enfin, si, dans ce montagne, son nom, il est une table de montagne, donc au classement général, ça ne sert à rien. Ils ne pourront pas lutter. L'objectif, bah, encore une fois, comme souvent, hein, c'est de faire mal dans la bosse, et de... pourquoi pas tenter quelque chose, quoi. Il a combien de descente, lui? 72, hein, s'il est... Moins 2 en plus de forme, donc il est moins 1, moins 1, moins 2, c'est pas terrible. Bref, c'est pas grave. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Bon bah du coup on va rouler. Allez, c'est maintenant la montée. 5 km de du sommet de la petite montée. Hop là. Ça roule très très fort là. C'est normal, il y a une attaque. Et c'est parti, il faut qu'on se place bien, Pierre. Ça attaque encore. Mais c'est bon, Pierre est là. Bien placé. On va rouler très fort, là. 84 d'effort, vous voyez. On n'a pas le choix, il faut qu'on roule fort pour voir un peu. C'est bien Airclose qui résiste bien en tout cas. Claude, je vous rappelle qu'il a gagné, c'était quoi déjà, c'était le... Je ne sais plus qu'il a gagné. Bon là on a 3, ça sert à rien. Le... Hop, Airclose qui va rouler du coup. Fin de l'échappée, le groupe vient d'être mince, il est déjà repris, ok d'accord. Radio Tour annonce des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. Hop. De l'arrivée, ils viennent de franchir le Pierre Latour. Dommage, un cocard là, bon il va être dead hein, donc il pourra rien faire, mais dommage. Ça roule pas, Pierre Latour peut-être tenter quelque chose. Mais allez, 72 accélérations, malheureusement, Pierre Latour c'est pas énorme. Airclose aussi. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Eh, c'était prévisible. Contre-attaque. Victoire de Ben Swift devant Nordog, Geniez, Valverde, je pense avant Valverde, Latour, Airclose, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, il y a Yates, Arou, Van Garderen, Chavez, Caruso, Reguir, Zakarin. On va se sprint. Bien géré. Belle victoire pour Ben Swift. Au général, c'est toujours Marcel Kittel, hein, toujours, voilà, il n'y a aucun changement vu que tout le monde a fini en même temps. Autre point, c'est toujours Marcel Kittel, Airclose, meilleur grimpeur, maillot de meilleur jeune pour Cocard, toujours, et par équipe, c'est l'équipe Movistar. Rendez-vous maintenant sur la quatrième étape, étape de montagne, étape décisive pour cette Ruta del Sol. Nous y allons tout de suite. Bah oui, il n'y a pas le choix, on va pas attendre 3 heures non plus. Bah oui, il faut y aller, allez quoi. 20 km de l'arrivée sur cette quatrième étape de la Ruta del Sol. Deux hommes à l'avant avec Sicard et Iveir, deux petits Frances devant. Pierre Latour plus 2, Airclose plus 2, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça suffira pour lutter face au Nairo Quintana Co? Nous verrons bien, écoutez, pour l'instant, hein, on n'y est pas encore. 42e à 32 secondes, hein, Pierre Latour. Il reste maintenant on va pas monter trop fort, bien sûr, ça ne sert à rien. Comme d'habitude, vous savez que la montée finale est très compliquée, vous le voyez, c'est... Donc le BMC accélère. 5 BMC là devant. Un 6ème arrive. Les BMC sont motivés. Hein. Hop, on va arrêter de rouler. Voilà. On gère tranquillement pour l'instant. Ça sert à rien, comme je l'ai dit, d'accélérer trop fort. Hein. Aucun intérêt. Kennedy nous fait un petit boulot. Ah, attaque de Nage de Zer, là, la mondiale. Attaque de Pozzovivo.
Bon, c'est pas à moi de rouler hein, dans cette pseudo petite descente qu'il va y avoir qu'il y a là, c'est pas à moi de rouler. C'est au leader de rouler, hein. Moi non, c'est pas à moi de rouler. Donc je ne vais pas faire d'effort avec Pierre Latour. Alors reposez-vous les enfants. Il y a encore du vallon et du sprint après à faire. Allez, c'est parti pour la petite descente et après la montée. Donc là, il faut se placer encore une fois. Hop là. Après, essayer de se placer, en tout cas, c'est pas évident, parce que ça roule très très fort là. C'est pas évident là. Airclots qui me protège bien. Prendre ton gel et Airclots. Hop, c'est reparti pour la montée. Les pas de bloc, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. 6 km de l'arrivée, et là c'est du lourd, hein. Vous le voyez, c'est du 10% maintenant, du très 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 lourd, c'est Alto de Azalianas. Pozzovivo toujours devant, Domenico Pozzovivo à 5 km de l'arrivée. Les BMC font un gros travail, c'est fini pour Airclots bientôt. Ouais, c'est bon. Range-toi mon petit Airclots, laisse passer Pierre. Voilà. Et voilà, Pierre Latour maintenant tout seul. Un groupe de 29 coureurs qui va bientôt diminuer encore. Ouh, ça attaque devant là avec qui? Haru et Nibali. Allez, les 3 Movistar sont présents aussi. Il reste 4 km. Gel. Je suis avec Nairo Quintana, le champion de Colombie. Mais devant, il y a Haru et Nibali. Les deux Italiens, les anciens équipiers. Ouais, ils sont bien partis les deux devant. Ils ont une minute d'avance déjà. Alors que Quintana craque un tout petit peu là. Pozzovivo s'accroche. Allez, Pierre. Au moins faire un podium sur cette Euro d'Atel Sol, ça pourrait être pas mal. On ne peut pas viser mieux que le podium de toute façon. Alors on décroche Pozzovivo. Victoire devant donc pour Nibali, devant Haru. Pierre Latour 3ème, bien joué Pierre. Pozzovivo et après loin derrière, loin. Voilà, Quintana, Van Garderen et Barguil. Italie, Italie, France, Italie, France, Colombie. Donc, Nibali, Haru, Latour, Pozzovivo, Barguil, Quintana, Van Garderen, Genies, Ejdal, Yetz, Caruso, Chavez, Bambia, Valverde, Nieve, Anton, Polanch, Moreno, Kangert et Cataldo. Troisième. Bon. On ne peut pas faire beaucoup mieux, là. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Bien joué Nibali, bien joué Haru, les deux anciens équipiers hein, chez Astana. Nibali qui est parti chez BMC. Et c'est la victoire pour Vincenzo Nibali qui lève même pas les bras, il n'a même pas la force de lever les bras. Épuisé le pauvre Nibali. Au classement général, ça nous donne donc Nibali Haru. La tour, bah, c'est le classement final de l'étape hein, quasiment. Par points, c'est toujours Kittel, le meilleur grimpeur Nathan Earl, meilleur jeune Pierre Latour. Et par équipe, c'est la BMC. Rendez-vous maintenant sur l'avant-dernière étape, hein, c'est ça. Avant-dernière étape, donc, c'est du vallon hein, qui termine avec une belle petite bosse. Et ensuite, on aura du sprint tranquille. Allez, c'est parti donc pour cette 5ème étape de la Ruta del Sol. 20 km de l'arrivée sur cette 5ème avant-dernière étape de la Ruta del Sol. Pierre Latour a marqué des points pour le compte du maillot vert. Car ça pourrait être sympa de l'avoir, hein. C'est encore jouable, même si la prochaine étape c'est du sprint, donc ça va être compliqué. J'ai marqué des points un tout petit peu pour la montagne aussi, donc on ne sait jamais. Plus 2 en tout cas pour Pierre Latour. Plus 1 pour Airclots qui le protège. Airclots, c'est un très bon. J'aime beaucoup ce coureur, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce coureur.
J'espère le garder longtemps dans mon équipe. Et qui, surtout, j'espère qu'il va évoluer. Mais en tout cas, nous approchons tranquillement de la fin de cette étape. Hop, on va rouler à 60, hein, ils vont se reposer un tout petit peu, mais quoi, ça sert à rien de les crever pour rien. On se positionne à l'avant, sur le pas très fort là apparemment. Ah, si ça va commenter là avec les Giants. 10 bandes de l'arrivée. Alors après c'est un enchaînement de petites descentes montées je crois. Je crois voir ça. Ouais ça, ça monte, descente, ça remonte, ça descend et après c'est l'arrivée finale, c'est la montée finale. Entre dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. On va reculer un petit peu avec Pierre. On va reculer un peu avec Pierre, hein. On va se reposer un tout petit peu, pas trop non plus, faut pas se faire détacher et surtout ne pas lâcher la tête de course du peloton. Et voilà, on se repose un petit peu, on essaie en tout cas d'économiser l'énergie. Ah, faut rester bien passé, voilà ici là pour la montée. Voilà, la montée ici, hop là. Eh hey, Giant, bah, vous voulez faire un gros tempo, bah voilà mes gars, voilà. Ah bah alors, on ne suit plus, bah voilà. Bravo le Giant, on ne suit plus. Et bah voilà. Ça voulait faire les kékés, rouler très fort, et bah voilà. Pardon. Merde, quel con, j'ai pris le gel pour la tour. Ah, quel con. Ah, je sais, ça va voir que c'est bon. J'ai bien fait en fait. Je crois avoir fait une connerie, mais non, finalement, j'ai bien fait. La sélection se perd par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. J'ai bien fait. Ouais, parce que la montée était directement après, donc j'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. C'est bon, pas de panique. Et 2 km de l'arrivée. Oh, Nibali et Haru sont très forts, ça se voit là. C'est Barguil derrière, je suppose, le Giant. C'est qui ça là? Ah, c'est Ben Chavez qui est présent. On va pas accélérer, on va pas attaquer, hein. On va rester à l'effort curseur pour l'instant. Ouais, ça paye pas beaucoup, mais bon. Ah, je peux pas sprinter, si je sprint, c'est mort. Hein. Déjà que c'est mort, même de base. En plus, si je sprint, c'est encore plus dead. La victoire va être pour Chavez ou Haru. Non, Chavez. Esteban Chavez, bien joué. Devant Haru, Caruso, Valverde, Barguil, Nibali, Latour. À moins que, non, c'est bon, Latour, Yates. Vangadren, Kitana, Genesa, Le Bambouya, Geshke, Rovni, Pozoivo, Navarro, Nieve, Zakarin, Anton. Zakarin, toujours la Katusha, ça me fait plaisir de voir ça. Dur, dur pour Pierre Latour. Dur, dur. On n'y arrive pas beaucoup, là. On a du mal. Je pense avoir marqué. Là, je suis 7ème, mais je ne marquerai pas beaucoup de points non plus pour le maillot vert, donc c'est dead. Dur, dur. Quintana non plus, hein, que dixième j'ai envie de dire pour Nairo. Après nous sommes au début de saison, attention bien sûr. On va s'arriver et Esteban Chavez, victoire pour lui. Au classement général, Nibali, Haru, Latour, troisième à 1 minute de Nibali. Encore un podium pour l'équipe, c'est bien. Classement par points, Latour qui passe devant pour 7 petits points, mais le problème c'est que voilà quoi. Grimpeur, c'est Jonathan Hiver. Par équipe, la BMC et meilleur jeune, Pierre Latour. Oui, je disais même, car là, voilà. C'est du sprint. Alors, certes, un sprint en bas, donc on ne sait jamais, ça peut être jouable. Nous verrons bien ça tout à l'heure, enfin, tout de suite pour moi, enfin, pas pour vous, et moi tout à l'heure, vu que eh ben, je vais aller manger un truc entre deux. Oui, j'ai faim. Allez, sur ce, on s'en fout de ma vie, je sais, mais c'est pas grave. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour cette dernière étape, 176 km au programme de la Ruta del Sol. Moins de 20 km sur cette dernière étape de la Ruta del Sol. Pardon. L'échappée a 2030 d'avance, hein, devant, ils sont 9 en plus, alors attention. Il y a du beau monde devant en plus, donc est-ce qu'on va réussir à revenir? Je ne sais pas, je ne pense pas honnêtement qu'on va réussir à revenir. Je ne pense pas qu'on va réussir à revenir. Vous voyez que Pierre Latour et Sepulveda ne sont pas bien.
d'un seul coup, comme ça, ils se sont dit, allez, on se sent pas bien. Bah voilà, donc du coup, fin de tour, heureusement que c'est la fin du tour d'ailleurs, maintenant. Le rythme imposé est Pas de bain, parce que, voilà, quoi, vu leur état, à mon avis, c'est pas top. Alors, encore 2 minutes d'avance hein, pour échapper à 10 km de l'arrivée. Donc, on vient me faire chier là, dans mon train, là, l'auto, il vient me casser burne, voilà, il vient me faire chier, putain, il me casser couille. T'es sérieux, mais cassez-vous, putain, laissez-moi tranquille, bordel de merde. Allez, la bosse. Il reste moins de 5 km à parcourir. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Encore une demi-heure, ah, non, 2 minutes d'avance, c'est mort. Hein. Bon, bah, du coup, la tour ne marquera pas de points. La victoire va se jouer devant. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. C'est parti pour l'emballage final. Il était dans un grand jour. Et voilà, victoire de Lars Peter Nordhaug. Il a beaucoup de monde, on n'a aucun point de marqué. Dommage. Oh, t'as une petite cassure. Non, il n'y a pas de cassure réellement là. Non. Même là, je pense qu'il n'y aura pas de cassure. Victoire de Lars Peter Nordhaug de la Sky. Victoire de l'échappée. Bien joué à eux. Et nous, bah, on fait juste. Voilà, on fait rien quoi. Puis quitte à les dixièmes, donc. Tant pis. Les classements finaux de cette route à Del Sol. Victoire de Nibali devant Haru Latour, Vanguard Oren, Barguil, Caruso, Chavez, Quintana, Yates et Valverde, bravo. Commençons par le meilleur grimpeur, Jonathan Hiver. Latour, classement par points. Ah bah oui, parce qu'il n'a pas marqué le point non plus, Quintana, donc j'étais devant. Ah, pour un point, yes, bien joué Pierre. Pour un point. Ah, parfait. Meilleur jeune Pierre Latour. Et enfin, par équipe, c'est la BMC. Voilà la Ruta del Sol. Ah, putain, je suis content. Ah oui, un point. Yes. Quasiment, voilà. Hop. Et hop. Parce que quand on part point... Ah oui, je marque 26 points. Non, je marque... Je marque 0 points. Quittel en marque 6, ah oui j'avais 7 points d'avance, donc ouais c'est ça, c'est ça. Et bah c'est fini, donc pour cette Ruta del Sol. Prochain rendez-vous, ce sera donc le... Peut-être Paris-Nice, peut-être Tirreno, peut-être l'Istria là. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très très vite pour la suite de l'aventure Team Arkham Pro, Team Vodka Russia. Je vous y retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.